des fêtes de Bayonne 2023. Alors, chers amis, sachez, pour votre information, sachez que vous allez pouvoir suivre tous les jours les grands rendez-vous de ces fêtes en direct ou en différé sur le Facebook officiel des fêtes de Bayonne. C'est notre belle ville de Bayonne qui vous ouvre ses bras entre Nive et Adour avec ce rendez-vous incontournable culturel et bien sûr festif avec une identité à la fois basque et gasconne. Et pour illustrer ceci, nous allons recevoir ce soir sur ce balcon des artistes absolument exceptionnels. Je veux parler du groupe Issarak. Il s'agit d'un trio de voix féminines originaires des Aldudes, composé de Céline Bidard, Emmanuel Lureau et de Sophie Oteiza. Et j'en profite pour saluer notre ami Pierre Teiza qui doit être très heureux ce soir. Deitzen da, 2020an sortu zuten, eta heldu den urteko maiatzaren lauean kontzertuan izanen dira, hemen Baionako antzokian, hoien, ogoigarren urtebetetzea ospatzeko, Issarak! Et nous recevons Issarak pour vous ce soir!
camarades, s'il vous plaît. Chers amis, pour lire à présent le procès en gascon, nous allons recevoir un garçon bourré de talent. En effet, Bayonne est fier de compter parmi elles de très grands artistes. C'est un humoriste, un auteur et un scénariste qui se produit sur de nombreuses scènes avec ses spectacles, notamment La Luna Negra à Bayonne, mais également dans toute la France. Et il a accepté gentiment notre invitation à vous lire ce procès en gascon. Je vous demande de recevoir, comme il se doit, le merveilleux Farid Amsiak. Shalom et l'honneur, Farid. Bonsoir, Bayonne. Qui a remporté le titre de championne d'Europe et du monde en 2022 dans sa discipline. La voici à présent, championne de France 2023 de force athlétique. Ovation à Laura Montalen. Laura Montalen. Shalom et Laurette, Laura Montalen. Merci Laura. Je voudrais vous parler d'un partenaire absolument incontournable des fêtes de Bayonne. Il s'agit de France Bleu Pays Basque. La radio, cette belle radio qui permet de suivre en direct tous les grands rendez-vous au Pays Basque et notamment les fêtes de Bayonne. La ville de Bayonne a souhaité rendre hommage à un homme absolument délicieux. C'est la voix des matinales sur France Bleu Pays Basque après 25 ans de carrière. 25 ans de carrière, oui, au service de ses auditrices et auditeurs. C'est une nouvelle vie qui l'attend, n'est-ce pas, Inoua? Oui. Olida Arnaud, Jean-Claude Mailly, au Goïta Bosch Tourtes, il a tsari saïtouste, souhait, et au Chkaleriko en souleil, et à Orten Belas, et retraitar tout kodou, à Inis Faltamotako saïtoukou, Jean-Claude. Jean-Claude Mailly, au Goïta Chalomelova! Jean-Claude Mailly, tout est vu! Vous pouvez Bayonne plus que ça, Jean-Claude Mailly. Merci Jean-Claude. Je suis pas Jean-Claude. Le 14 juillet dernier, sur le terrain de l'Athlon Stadium au Cap, en Afrique du Sud, l'équipe de France U20 est sacrée championne du monde de rugby. Malgré une lourde blessure qui aurait pu l'empêcher de jouer, le troisième ligne de l'aviron bayonnais a fait partie de cette belle aventure. Alors s'il vous plaît, ovation à notre vainqueur de la Coupe du Monde de rugby des moins de 20 ans, Esteban Capilla. Oui Bayonne, plus fort que ça. Est-ce qu'elle a un petit mot juste pour Bayonne? J'espère que les fêtes vont bien se passer. Bonne fête de Bayonne en sécurité et en bon droit. Bonne fête de Bayonne! Esteban Camilla, chers amis. Et à présent, pour poursuivre cette cérémonie d'ouverture des fêtes de Bayonne, je cède mon micro au président de la commission extra-municipale des fêtes de Bayonne. S'il vous plaît, applaudissons Henri Loquet. Shalom et l'Ova Capri. Amis festaires, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette ouverture des fêtes de Bayonne. Nous allons honorer trois associations bayonnaises qui œuvrent toute l'année au service des habitants. La première association sportive est sur la rive droite. Elle forme depuis de nombreuses années des gymnastes. C'est la société La Vigilante, représentée par sa présidente, Sandrine Cazenave.
deuxième association est une association culturelle qui a pignon sur rue à Bayonne, également sur la rive droite. Vous pouvez la voir d'ici de la place de la Liberté. C'est l'association qui gère le cinéma La Talente et son président Jean-Pierre Saint-Pic. Rive droite à l'honneur avec une association qui fait un travail formidable et c'est le collectif des habitants des Hauts-de-Sainte-Croix avec à sa tête un hyperactif, un ingénieux, quelqu'un au service de ce quartier de notre ville. Une ovation à Abdou Diakité. Maintenant vient le moment des trois clés qui vous seront jetées dans quelques instants. Licencié à l'aviron bayonnais, c'est un sous-le-terre de Tardets. Il est vainqueur de la diagonale du fou sur l'île de la Réunion en 2022 de l'Escal Trail et deuxième dans le Colorado il y a 15 jours. Il est un champion hors catégorie, le sous-le-terre Beniat Marmisol. Beniat Marmisol. Accompli un exploit sportif impressionnant. Elles ont traversé le Pacifique en relais depuis Lima au Pérou jusqu'à Montréal en Polynésie française. 8000 km en 2 mois au profit de l'association Home Team East dont le projet consiste à accompagner à travers le sport les enfants en traitement contre le cancer. Elles sont 5 sur le balcon ce soir. Je vous demande d'accueillir Stéphanie Barnex, Alexandra Lux, Emmanuel Bécharon, Marco Calvé et Marie Goyenech. Et l'international, demi d'ouverture et sous l'hôtel de Montléon, Camille Lopez.
6, 7, 8, je déclare.